Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'Hôtel de Ville. Bienvenue à notre public, dont certains sont fidèles à nos débats. Je propose de désigner notre Benjamin de séance comme secrétaire, Florent Vandenabel, sauf s'il y a une opposition. Je pense que non. Monsieur Vandenabel, je vous laisse procéder à l'appel nominal. Merci, monsieur le maire. Anthony Gauthier. Christophe Legrois. Présent. Brigitte Galli. Présent. Arnaud Devillet. Présent. Gaëlle Lefebvre. Présent. Gilles Devienne. Présent. Sophie Spatola. Présent. Nicolas Lefebvre. Présent. Mathilde Charpentier. Présent. Pierre Grandgenèvre. Présent. Emmanuel Furlan. Présent. Michel Legrand donne procuration à Marjorie Vandenberg. Valérie Couture. Géry Delangue. Présent. Denis Bécuve donne procuration à Sophie Spatola. Damien Verward. Présent. Sabrina Winkel. Présent. Marjorie Vandenberg. Présent. Laurence Duré. Présent. Benjamin Soa. Présent. Aurélien Beaufromé. Présent. Céline Thibault. Présent. Florent Vandenabel présent. Marc Deneuche. Donne procuration à Nathalie Bochard. Bénédicte Crépel. Présent. Maxime Deplanck. Non. Sébastien Malizis. Absent. Nathalie Bochard. Présent. Bérangère Verfailly. Absente. Linda Whitley. Présent. Émilie Ducourant. Présent. Clotilde Saulnier. Présent. Vanessa De Honte. Voilà, j'en ai fini avec l'appel nominal, monsieur le maire. Merci, monsieur Vandenabel. Donc, nous avons, sauf erreur de ma part, 28 élus présents, 3 pouvoirs et 2 absents. Donc, nous atteignons le quorum. Donc, notre assemblée peut valablement délibérer ce soir et notamment procéder en bonne et due forme à la désignation des suppléants pour les prochaines élections sénatoriales. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je vous propose, pour démarrer cette séance, d'adopter le procès-verbal de notre séance du 13 avril 2023, procès-verbal dont vous avez pu prendre connaissance. Est-ce que vous avez des remarques ? Non, je vous propose de l'adopter. Qui vote pour ? Il est donc adopté à l'unanimité. Bien, alors nous passons à un point inédit de notre conseil municipal qui concerne les prochaines élections sénatoriales du 24 septembre 2023, pour laquelle nous allons devoir désigner des suppléants, puisque je vous rappelle qu'en tant que conseillers municipaux, nous sommes des délégués titulaires de cette élection. Et évidemment, nous avons toute une procédure à suivre pour que cette désignation puisse s'effectuer conformément au code électoral. Alors, je rappelle qu'en application de l'article R133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par mes soins et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes qui sont présents à l'ouverture du scrutin. Donc, j'ai le plaisir de désigner donc Brigitte Galli et Bénédicte Crépel, ainsi que Céline Thibault et Florent Vandenabel comme membres du bureau électoral. Nous allons donc procéder, oui c'est une chance, au scrutin, au sujet duquel je vous rappelle également que dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, je viens de l'indiquer il y a quelques instants, et il n'est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants. Je vais donc inviter le conseil municipal à procéder à l'élection des suppléants, en vue de cette élection qui est donc prévue le 24 septembre 2023, et en application des articles L289 et R133 du Code électoral, je précise que les suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Voilà. Donc je rappelle également que dans les communes
De 9 000 à 30 799 habitants, les suppléants sont élus parmi les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de la commune. Donc, conformément aux articles L284 et L286 du Code électoral, et le cas échéant l'article L290-1 et l'article L290-2, le Conseil municipal doit donc élire aujourd'hui 9 suppléants. Donc, 3 listes de candidats ont ainsi été déposées et elles se composent de la façon suivante. Donc, la liste bailleloise-bailleloise, Laurence Goudenhoft, Mathieu Labisse, Anne-Sophie Lagache, Philippe Dupont, Evelyne Loridan, Alexandre Trenel, Yvette Pladis, David Lesage et Aurélie Costenoble. Une autre liste fière de faire vivre Bailleul a été déposée. Elle comprend Michel Ostochki, Corinne Millet et Bernard Eman. Et enfin, une troisième liste a également été déposée pour le scrutin. La liste Unie pour Bailleul, et elle comprend Claude Anquet, Nicole Loriot et Jean-Pierre Collot. Vous avez, mesdames et messieurs les élus, devant vous une enveloppe de vote ainsi que les bulletins de vote correspondants, un évidemment par liste déposée. Je vous rappelle ou je vous informe que vous ne pouvez voter que pour une seule liste, donc sans adjonction ni radiation des noms, et sans modification de l'ordre de présentation des candidats, et que tout bulletin qui ne répondrait pas à ces prescriptions serait considéré comme nul. Alors, je vais demander à avoir l'urne, s'il vous plaît, Anne. Merci. Donc, il m'appartient de vous montrer que l'urne est bien vide. Donc en tant que président de bureau, donc je la ferme et je conserve la clé. Et je vais donc remettre l'urne à Daniela qui va nous accompagner pour le scrutin. Merci Daniela. Nous allons maintenant procéder au vote et je vais donc passer la parole à Madame Céline Thibault qui va donc vous appeler individuellement et vous serez amené donc à exprimer votre vote en glissant l'enveloppe dans l'urne. Madame Thibault. Merci, monsieur le maire. Anthony Gauthier. À voter, c'est bon, oui. À voter. Christophe Legrois. À voter. Gaël Lefebvre. À voter. Pierre Grandgenève. À voter. Mathilde Charpentier. À voter. Nicolas Lefebvre. À voter. Marjorie Vandenberg. À voter. Damien Verward. À voter Vanessa Dehon. À voter Aurélien Beaufromé. À voter Émilie Ducourant. À voter Bénédicte Crépel. À voter Maxime Deplanc. À voter Nathalie Beauchard. À voter Sabrina Winkel. À voter Linda Wisley. À voter Clotilde Saulnier. À voter Géry Delangue. Céline Thibault. À voter
Emmanuel Furlan. A voté Valérie Couture. A voté Benjamin Soa. A voté Laurence Duret. A voté Florent Vandenabel. A voté Sophie Spatola. A voté Gilles Devienne. A voté Arnaud Devillet. A voté Brigitte Galli. A voté Marjorie Vandenberg. Vote pour Michel Legrand. A voté Sophie Spatola. Vote pour Denis Bécuve. A voté Nathalie Bochard. Vote pour Marc Deneuche. À voter. Merci Céline, merci Daniela. Je déclare donc le scrutin clos. J'invite les membres du bureau électoral à bien vouloir rejoindre la table centrale pour procéder au dépouillement.
Bien. Merci aux membres du bureau électoral d'avoir mené de main de maître ce scrutin. Si nous pouvions avoir chaque scrutin avec une telle efficacité, ce serait vraiment très, 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 très positif. Il y a un suspense insoutenable, je pense. Donc je ne vais pas tarder pour vous donner les résultats. Donc je déclare le scrutin, ça a été effectué. Je vous donne les résultats. Donc nombre de conseillers présents ou représentés, 31. Nombre de votants, 31. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs, 0. Donc nombre de suffrages exprimés, 31. La liste Bailleloise-Bailleloise a obtenu 26 suffrages. La liste Unie pour Bailleul a obtenu 3 suffrages et la liste Fière de faire vivre Bailleul a obtenu 2 suffrages. Ce qui donne 8 suppléants pour la liste Bailleloise-Bailleloise et 1 suppléant pour la liste Unie pour Bailleul. Donc je proclame élu délégué suppléant sur la liste Bailleloise-Bailleloise Laurence Goudenhoft, Mathieu Labisse, Anne-Sophie Lagache, Philippe Dupont, Evelyne Loridan, Alexandre Trenel, Yvette Pladis et David Lesage, et sur la liste Unie pour Bailleul, Claude Anquet. Voilà, je me dois d'interroger les personnes présentes dans le public pour savoir si parmi elles, il y a des suppléants élus. Je ne pense pas. Donc, comme aucun suppléant n'est présent, je me dois de vous annoncer que leur élection leur sera notifiée dans les 24 heures et qu'ils disposeront alors d'un délai d'un jour franc à compter de la notification pour refuser éventuellement leur fonction et en avertir le préfet, conformément à l'article R145 du Code électoral. Je précise que les délégués de droit, c'est-à-dire nous toutes et tous qui sommes réunis ce soir, ne peuvent refuser leur mandat. Ils doivent faire connaître au bureau électoral la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Je vais donc maintenant devoir vous interroger individuellement pour que vous puissiez m'indiquer votre choix quant à la liste sur laquelle vous souhaiterez, en cas d'empêchement, déterminer votre suppléant. Alors, je commence. Legroix Christophe. Bailleloise, Bailleloise. Galy Brigitte. Bailleloise, Bailleloise. De Villers Arnaud. Lefèvre Gaël. Bailleloise, Bailleloise. De Vienne Gilles. Spatola Sophie. Lefèvre Nicolas. Charpentier Mathilde. Grand Genève Pierre. Furlan Emmanuel. Le Grand Michel qui donne procuration à Marjorie Vandenberg. Valérie Couture. Géry Delangue. Denis Bécuve qui donne procuration à Sophie Spatola. Damien Verward, Sabrina Winkel, Marjorie Vandenberg, Laurence Duré, Benjamin Soa, Aurélien Beaufromé, Céline Thibault, Florent Vandenabel, Bénédicte Crépel, Maxime Deplanck, Émilie Ducourant, Linda Whitley, Clotilde Saulnier, Vanessa Dehonte, Nathalie Bochard, d'accord, très bien, comment ? Vous n'avez pas de siège, mais vous pouvez. D'accord, très bien. Mais, normalement, non. Non, je pense que vous devez choisir une liste qui
a eu un siège, puisque si vous êtes absente pour cas de force majeure lors du scrutin, vous êtes obligé de désigner donc un suppléant pour vous représenter. Absolument, oui, tout à fait. Donc, uni pour Bailleul. Très bien, c'est noté. Bien, voilà, nous avons fait le tour. Donc, j'insiste sur le fait que les conseillers municipaux présents ne doivent pas quitter la salle, car vous allez être amenés à signer la feuille annexée au procès-verbal comportant le choix de votre liste. Et je propose désormais de poursuivre notre séance pendant la rédaction du procès-verbal, qui sera ensuite mis discrètement à votre signature. Et je vais évoquer, donc, comme vous le savez, quelques sujets d'actualité pour lancer cette séance du Conseil municipal, en démarrant mes communications par une triste nouvelle, puisque je voulais d'abord revenir sur la disparition de M. Jean Cordonnier, qui est survenu le 30 avril dernier à l'âge de 75 ans. Jean Cordonnier était musicien de l'harmonie municipale de Bailleul depuis 1963. Il avait également occupé les fonctions de conseiller municipal, délégué à la sécurité, à la vie associative, à l'animation et aux fêtes. Puis il a été conseiller municipal, délégué à la sécurité et aux commémorations, sous le mandat de Marc de Neuch de 2014 à 2020. Je voulais donc ce soir, au nom de tout notre conseil municipal, eh bien avoir une pensée pour sa famille et pour ses proches. Sans transition, dans l'actualité de ces dernières semaines, je voulais revenir très rapidement sur des événements qui ont animé notre ville. Je pense notamment à la foire commerciale et à Shopping en Fête, aux commémorations du 8 mai et au renouvellement des chartes de jumelage avec nos villes jumelles de Iseghem et de Kuritz, auxquelles vous avez été nombreux à participer. La retransmission en direct de l'opéra Falstaff, piloté par la CCFI dans le jardin public, qui a été aussi un beau succès. Les rendez-vous au jardin qui sont déroulés ce week-end pour la deuxième édition. Le concert de l'école de musique et encore le forum des associations. Ça s'est également déroulé ce week-end au parc Le Grand Grube, à la salle Le Grand Grube et à la salle Le Sage. Et ces événements, vous étiez, comme je viens de l'indiquer, nombreux à y participer. Ils ont rassemblé beaucoup de Bailleuloises et des Bailleulois. Et je voulais aussi ici souligner le fait qu'ils ont pu se tenir grâce à la mobilisation sans faille des services municipaux, de nos partenaires, que je remercie aussi, je pense notamment à la CCFI, je pense aussi au Conservatoire Botanique National, et également à l'EPSM et aux diverses associations bailleuloises qui se sont impliquées pour la réussite de ces événements. Et vous le savez, je pense que nous sommes toutes et tous convaincus ici que le dynamisme d'une ville, ça tient à l'alchimie précieuse que nous arrivons à trouver entre l'ensemble des acteurs pour permettre à notre ville de bouger, de rayonner. Et nul doute que cela s'est une nouvelle fois vérifié à Bailleul ces dernières semaines. Et j'ai envie de dire encore mieux que quelques mots, je vous propose la petite vidéo récapitulative des événements qui ont pu rythmer ces dernières semaines depuis le mois d'avril.
Bien, voilà un beau récapitulatif de l'actualité bailleloise depuis notre dernier conseil municipal. Je souhaite compléter ces images par un retour sur les bailleloises et les baillelois qui ont pu s'illustrer ces dernières semaines, et ils sont nombreux. Je veux d'abord souligner la remarquable participation de la classe de CE2 du groupe scolaire Yann Debel, la classe de M. De Kopman, qui a participé donc au concours non harcèlement piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Le 10 novembre 2022, l'ensemble des classes du groupe scolaire Yann Debel a participé à la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, et la classe de CE2 de M. De Kopman a décidé de prolonger cette action en participant au concours d'affiches afin de sensibiliser davantage les enfants. L'affiche, vous la voyez, elle montre que l'on peut mettre fin au harcèlement en osant en parler, avec deux parties. Une partie où des enfants sont harcelés sur la gauche, et à droite, des enfants qui ont osé parler. Et entre les deux, une fermeture éclair qui montre que les choses peuvent changer rapidement. Et la classe a été nominée lauréate du département du Nord. Et je trouve que c'était évidemment un moment important à partager avec vous. La classe a été reçue ce mercredi 7 juin au rectorat de Lille, en compagnie de tous les autres lauréats issus des écoles, des collèges et des lycées du département du Nord. Et je tiens évidemment à les féliciter en notre nom, très chaleureusement, et à les remercier pour ce travail remarquable qui est porté autour d'une thématique excessivement importante qui est le harcèlement à l'école. J'ajoute sur le sujet que nous avons décidé d'offrir le hall de l'hôtel de ville cet été aux écoles et aux collèges qui ont également pu participer à cette opération. Et ce sera l'occasion pour celles et ceux qui le souhaitent, et j'espère que nous serons nombreux, à profiter des productions d'affiches proposées par ces classes. Encore une fois, c'est mettre en lumière leurs réflexions et la sensibilisation qu'ils ont souhaité porter autour de ce sujet majeur. Voilà. Donc, nous nous retrouverons dans quelques semaines, ici, dans le hall de l'hôtel de ville, de façon à pouvoir apprécier l'ensemble des affiches réalisées par les classes bailleloises. Je veux aussi citer les élèves de 3e du Collège Immaculée Conception qui ont été primés à l'échelle départementale le 31 mai dernier pour le court-métrage qu'ils ont réalisé dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Leur travail a même été choisi pour concourir sur le plan national. Donc bravo à tous ces élèves qui se sont impliqués. Je vais les nommer par leur prénom: Alice, Anaé, Cali, Camille, Lucéa, Siobhan, Suzon, Baptiste, Martin, Pierre et Valentin, qui montrent que le devoir de mémoire, il est également présent chez nos jeunes. Et vous savez que c'est un sujet essentiel pour transmettre notre histoire. Donc encore, bravo à eux. Je vais maintenant profiter de quelques secondes pour vous parler de sport et féliciter les brillants résultats obtenus par quelques personnes ou équipes bailleloises. Je voudrais féliciter dans un premier temps Juliette Faligo, qui a brillamment participé au championnat de France d'équitation, et elle a obtenu la 2e place dans la discipline saut d'obstacle championnat pro élite. Donc bravo Juliette. Et puis en sport collectif, nous avons eu la chance de pouvoir partager de belles aventures, et j'en cite deux ce soir. D'abord l'aventure réalisée par les seniors filles du basket club bailleulois qui ont gagné la finale de la coupe départementale. Donc c'est encore un beau succès qui en appellera très probablement d'autres. Donc bravo au Basket Club bailleulois. Et puis je voudrais aussi souligner la très belle saison du club de volley qui, avec ses seniors féminines, est parvenu à terminer premier
en championnat de pré-national. Et les seniors féminines sont même allées en finale de la Coupe des Hauts-de-France. Nous étions nombreux ce mardi-ci pour fêter cette belle saison à la salle Nathalie Dumay, autour du dernier match contre Caudry. Et donc c'est une saison qui se conclut avec une montée en National 3 pour la saison prochaine. C'est une première, je pense. Et donc c'est un bel événement. Et donc bravo à tout le club et bravo à ces femmes qui sont engagées pour faire rayonner la ville de Bailleul au travers du sport. Voilà, vous l'avez compris, les Bailleuloises et les Bailleulois, ils ont du talent et nous en avons une nouvelle fois la preuve aujourd'hui. Et ce talent, il peut aussi s'apprécier sous les événements qui vont se produire dans les semaines à venir à Bailleul. Je veux d'abord citer un nouvel événement qui voit le jour et qui est porté par l'association Barabadoum. C'est le Festival de littérature jeunesse On se la raconte, qui aura lieu le 16 juin prochain et qui proposera des rencontres scolaires, une rue aux livres dans la rue Saint-Jacques et des temps d'échange. Et quand je vous parlais de la volonté de la municipalité d'avancer significativement sur un plan lecture sur la période 2024-2026, eh bien nous voyons qu'avec cette action, nous sommes clairement dans un objectif qui permet aussi d'intégrer les associations. Donc c'est une formidable initiative portée par le Barabadoum. Et vous aurez donc facilement deviné tout l'intérêt que la ville de Bailleul porte à cette très belle action qui vise à encourager la lecture. Parmi les autres événements à venir, évidemment, nous approchons de la date du 21 juin et nous nous retrouverons en plein centre-ville pour fêter la Fête de la musique édition 2023 avec une nouvelle fois un beau programme concocté par les services municipaux avec des musiciens amateurs sur la scène du jardin public, un récital de l'école de musique, des batucadas et des concerts chez vos commerçants. Voilà, je pense que, comme l'année passée, nous serons une nouvelle fois très nombreux pour pouvoir faire la fête en plein centre-ville le 21 juin. Autour de la musique viendra ensuite la nouvelle édition du festival En Orbite, que nous avons la chance d'accueillir à Bailleul, et qui réunira sur 3 jours de festival 45 artistes les 7, 8 et 9 juin prochains au Parc Le Grand Grube. Donc encore une fois, je pense que parmi nous, nous serons nombreux à passer quelques soirées au Parc Le Grand Grube pour apprécier ce beau festival. Et puis, le 14 juillet, évidemment, les fêtes organisées sur Bailleul pendant toute la journée, avec un format qui a été retravaillé cette année, une proposition d'une journée d'animation à passer en famille, dans le jardin public, beaucoup d'activités orientées à l'endroit des enfants, avec évidemment le traditionnel Madison géant sur la Grand Place, et puis notre spectacle pyrotechnique, qui sera une nouvelle fois cette année piloté exclusivement par nos agents municipaux. Donc merci encore à eux pour leur investissement. Et rendez-vous donc le 14 juillet en plein cœur de ville. Et enfin, je poursuis certains sujets évoqués lors de la dernière séance du Conseil municipal en évoquant l'action que nous avons lancée l'année passée qui consiste à proposer gratuitement des séances de cinéma en plein air cet été. Nous redéployons ce dispositif cette année à Bailleul et dans les hameaux. Et je peux vous donner non seulement les dates, mais sauf erreur de ma part, il me semble que je vous les avais déjà présentées lors de l'année à la séance, mais en plus les films qui ont été retenus par les comités des fêtes. Donc je ne suis pas responsable de la programmation, mais nul doute qu'il en faut pour tous les goûts. Donc nous retrouverons à la crèche le 22 juillet avec Vaiana, au Stench le 28 juillet avec les Tuches 4, au Jardin public le 25 août avec les Goonies et à Outersten le 26 août avec E.T. Voilà. Voilà, donc vous avez quelques événements, mais je dis qu'il en faut pour tous les goûts. Qui annonce ce beau programme pour cet été à Bailleul? Enfin, je vais terminer par quelques sujets très rapidement. D'abord, la nature en ville.
Vous le verrez, dans quelques instants, nous poursuivrons ce sujet à travers l'adoption de deux délibérations. Vous savez que c'est un sujet qui nous est cher et nous allons poursuivre la végétalisation de la ville, mais j'en profite ici pour faire un point rapide sur le concours des maisons fleuries pour lequel 23 habitants se sont inscrits. Donc merci à eux et à toutes celles et ceux qui participent à l'embellissement de la ville par leurs actions de fleurissement. Et le jury de la ville fera un passage pour apprécier toute la qualité des participants aux maisons fleuries le 28 juin. Et il accordera une place toute particulière aux sciences locales et au respect de la biodiversité. Et je remercie par avance les membres du jury qui vont consacrer pas mal d'heures pour pouvoir apprécier la qualité de ce travail. Je pense notamment à nos élus municipaux, et je cite Michel et Sophie, bien sûr, mais aussi les membres du conseil municipal des enfants, parce que nous avons souhaité les intégrer dans ce jury, les membres du conseil citoyen et du conseil des seniors, les agents municipaux également, ou encore le conservatoire botanique national. Après le fleurissement, je vous parle également de propreté, puisque on parle d'espace public, donc les deux sujets sont évidemment liés. Vous les avez peut-être déjà croisés sur nos marchés. Nous avons désormais nos trois jeunes en service civique qui ont entrepris des actions de sensibilisation sur le respect de la propreté en ville. Dans la continuité, vous vous souvenez de la campagne de communication que nous avions lancée à l'automne 2022 et dont vous pouvez retrouver d'ailleurs actuellement des visuels à nouveau affichés dans les panneaux sucettes de l'espace public. Et donc nos trois jeunes en service civique ont également réalisé des actions à destination des enfants sur la pause méridienne. Et je sais que ces actions sont très appréciées. Et elles poursuivront leur démarche cet été pour sensibiliser le maximum de personnes au civisme, car nous en avons déjà parlé, bien que nous ayons renforcé significativement les moyens dédiés à la propreté urbaine, il faut garder à l'esprit que ce sujet concerne chacun d'entre nous au quotidien. Et je l'ai déjà dit, je le répète, je n'aurai aucune difficulté à pouvoir verbaliser via l'action des policiers municipaux et des agents de surveillance de la voie publique, celles et ceux qui volontairement viendraient salir l'espace public avec des jets de papier ou de mégots ou des dépôts sauvages, par exemple. Donc voilà, le plan propreté continue à se décliner et donc les actions de sensibilisation se poursuivront cet été. Un autre sujet aussi que je suis heureux d'évoquer ce soir, c'est un engagement de campagne que nous avions pris, c'est de poursuivre les aménagements cyclables et notamment les voies vertes qui vont relier les hameaux au centre-ville, notamment le hameau de la Crèche et le hameau d'Outersten au cœur de ville. Ces aménagements sont en phase de finalisation. Les marquages ont été effectués, vous en voyez quelques illustrations. Les bandes rugueuses sont en cours d'installation et la signalétique verticale sera également posée très prochainement. Le passage des véhicules motorisés sera toujours possible pour les riverains avec une limitation à hauteur de 30 km/h. Et vous le savez, l'objectif avec ces aménagements, c'est de pouvoir sécuriser les déplacements à vélo, également de permettre une continuité de circulation sur l'ensemble du territoire, et c'est ce qui nous anime dans les différents aménagements cyclables que nous sommes amenés à porter, que nous portons actuellement et que nous continuerons à porter dans les mois et les années à venir. Donc je ne doute pas que ces aménagements permettront d'accroître l'attractivité de notre territoire, notamment l'attractivité touristique, et aussi de nous permettre d'avoir des déplacements au quotidien encore plus fréquents à vélo. Et enfin, je terminerai par là, c'est d'ores et déjà le moment de penser aux activités de la rentrée de septembre. Et je vous invite donc à venir découvrir les activités proposées par l'école dentelière et l'école d'art plastique lors de leurs portes ouvertes qui se dérouleront le dimanche 2 juillet. Vous pourrez donc y réaliser vos préinscriptions pour la rentrée 2023. Et en ce qui concerne l'école de musique, les préinscriptions auront lieu la semaine prochaine, lundi et mardi,
de 17h à 19h, et mercredi de 10h à midi. Et puis, puisqu'on parle des inscriptions pour la rentrée, je pense également aux inscriptions dans les associations, et sachez que la ville a décidé de reconduire évidemment le pass famille asso que nous avons lancé pour les enfants âgés de 2 à 11 ans l'année passée. Et vous pouvez d'ores et déjà faire votre demande pour les activités à compter de septembre 2023. Je vous rappelle que dans le cadre de ce dispositif, la ville propose d'accompagner jusqu'à 100€ par enfant l'inscription d'un enfant bailleulois dans une association bailleuloise. Évidemment, l'aide étant conditionnée, comme nous le faisons depuis le début du mandat, au quotient familial des familles. Donc voilà, c'est une question de justice sociale. Mais c'est un dispositif qui a très bien marché depuis que nous l'avons lancé en septembre 2022. Et j'espère qu'il permettra encore à de nombreuses familles d'inscrire sans difficulté, c'est-à-dire sans retenue par rapport au coût de l'adhésion à une association, les enfants dans les pratiques artistiques, sportives ou culturelles de leur choix. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire concernant certains sujets d'actualité. Je vous invite désormais à passer à l'ordre du jour de notre séance avec de nombreux sujets importants ce soir, en particulier, je pense à la perspective de passage en communauté d'agglomération de la communauté de communes de Flandre intérieure. C'est un beau projet de développement pour notre territoire. J'y reviendrai dans quelques instants. Nous évoquerons également l'évolution de la tarification des activités municipales. Je viens d'en dire un mot, avec des tarifs qui évolueront pour davantage de justice sociale et d'équité. Gaël Lefebvre, dans quelques minutes, interviendra également pour nous présenter notre ambitieux projet éducatif global dans la continuité du titre « Ville amie des enfants » que l'UNICEF nous a décerné en 2021. Nous parlerons également du développement accru de la végétalisation sur l'espace public et puis également de la poursuite de la féminisation des noms de rue. C'est Laurence Duré qui nous en parlera dans quelques minutes. Et concernant le passage en communauté d'agglomération, je souhaiterais proposer à l'Assemblée de bien vouloir ajouter un point exceptionnellement à l'ordre du jour. En y insérant la délibération que vous avez pu trouver sur table en prenant possession de votre siège à votre arrivée, c'est la délibération 2355 qui évoque le transfert de la compétence eau et assainissement de la ville vers la CCFI. C'est une délibération obligatoire, en plus de la délibération 33 dont nous parlerons dans quelques instants. Et c'était un oubli dans l'ordre du jour initial. Est-ce qu'il y a une opposition à ce que nous puissions adopter cette délibération ce soir? Je ne pense pas, donc nous l'ajoutons à l'ordre du jour. Et puis, vous le savez, la séance du Conseil municipal du mois de juin, elle est également dédiée à l'adoption du compte administratif. Et donc, dans quelques minutes, Christophe Legroix présentera le compte de gestion, le compte administratif et la détermination et l'affectation des résultats suite à l'exercice budgétaire 2022. Et vous savez qu'en ma qualité d'ordonnateur des comptes publics, eh bien, je ne peux pas participer au vote du compte administratif. Et donc, je vous propose pour ce moment eh bien, de désigner Christophe Legroix en président de séance. Est-ce qu'il y a une opposition? Non. Donc, nous procéderons ainsi au moment de l'adoption du compte administratif. Voilà donc, en quelques mots, le programme de la séance, pour laquelle je vous informe que, conformément aux conclusions de la conférence d'organisation qui s'est tenue avec les conformément à l'article 15 du règlement intérieur de notre assemblée, eh bien, les délibérations 38, 40, 41, 45 et 53 feront l'objet d'un vote groupé sans débat en fin de séance. Voilà, nous passons désormais à l'examen des délibérations inscrites à l'ordre du jour de notre séance et je vous propose d'évoquer donc la perspective de passage en communauté d'agglomération de la CCFI à travers la présentation des délibérations 33 et 55, donc la 55 étant celle qui vous a été remise sur table en début de séance. Alors nous avions déjà eu l'occasion
d'aborder ce sujet, puisque la CCFI a pu proposer à l'ensemble des conseillers municipaux des 50 communes de la CCFI eh bien, de participer à des réunions de présentation du projet de passage en communauté d'agglomération. Il y a eu une réunion à Hazebrouck, une autre à Bailleul. Et l'objectif aujourd'hui de la CCFI consiste à évoluer en communauté d'agglomération au 1er janvier 2024. Alors cette idée, elle n'est pas novatrice, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait déjà été évoquée lors du précédent mandat, 2014-2020. Mais à l'époque, vous vous souvenez, la CCFI avait été créée, j'ai envie de dire, à marche forcée. Et je pense que les élus et les maires notamment n'étaient pas prêts pour envisager un passage ou une création de la CCFI immédiatement en comité d'agglomération. Et donc aujourd'hui, le sujet revient parce que, évidemment, le projet de territoire a évolué. Et ces délibérations dont nous allons parler, dont nous parlons actuellement, eh bien, elles ont été adoptées à l'unanimité lors du Conseil communautaire qui s'est tenu le 13 mars dernier. Alors, de façon très simple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous verrez, c'est assez facile à comprendre. La CCFI, aujourd'hui, elle exerce déjà la quasi-intégralité de l'ensemble des compétences dévolues à une communauté d'agglomération. Il y a quelques compétences qui ne sont pas aujourd'hui incluses dans le périmètre d'intervention de la CCFI. Je parle notamment du sujet de l'eau et de l'assainissement, mais que nous, ici à Bailleul, nous avons déjà délégué depuis de nombreuses années au syndicat Sidencian. Et puis également le sujet de la gestion des eaux pluviales urbaines, qui, il me semble complètement naturel de pouvoir transférer à la CCFI, puisque je vous rappelle que la CCFI exerce déjà la compétence voirie, et qu'il est tout à fait naturel de rapprocher la gestion des eaux pluviales urbaines à l'aménagement de la voirie. Alors, il y a également un autre transfert de compétences, qui est celle de la politique de la ville. Mais vous savez que la ville de Bailleul n'est pas concernée par cette compétence, puisque sur le territoire de la Flandre intérieure, nous n'avons qu'un seul quartier identifié prioritaire en politique de la ville, c'est le quartier Pasteur Foch d'Hazebrouck. Il y a des caractéristiques pour répondre à l'identification d'un quartier prioritaire en politique de la ville, qui sont liées à plusieurs paramètres, notamment la densité urbaine, les ressources des habitants vivant dans un quartier. Et donc, la ville de Bailleul n'est pas concernée par ce transfert de compétences sur la politique de la ville. Donc, sur la base de ces éléments, aujourd'hui, nous sommes davantage sur une évolution, j'ai envie de dire, sémantique de la CCFI vers une communauté d'agglomération, en sachant que les statuts ne vont pas changer en profondeur, puisque, je le rappelle, il y a déjà beaucoup de compétences dévolues à une communauté d'agglomération, qui sont déjà exercées par la CCFI. Ce qui n'est pas très désagréable, c'est que ce passage en communauté d'agglomération va également s'accompagner d'une dotation supplémentaire de l'État, de l'ordre de 400 000 euros en fonctionnement, ce qui évidemment est utile pour mener des politiques publiques ambitieuses. Et puis, en résumé, vous l'avez compris, moi j'y suis favorable dans le sens où c'est une véritable opportunité qui se présente à nous aujourd'hui, une chance pour notre territoire de Flandre intérieure. Une opportunité financière, je viens de le dire, mais ce n'est pas ce qui doit nous guider essentiellement. Je veux dire, c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour que nous continuions à porter avec toujours plus d'ambition le projet de territoire qui a été adopté par la CCFI, un projet de territoire qui situe la Flandre intérieure au cœur d'un axe Dunkerque-Lille. Et aujourd'hui, nous avons énormément d'atouts à faire valoir au sein de cet axe Dunkerque-Lille. Et la Flandre intérieure doit indubitablement exister avec des atouts économiques, des atouts écologiques, des atouts touristiques ou des atouts de mobilité. Et donc, ce sont des éléments essentiels sur le projet de territoire qui guident la CCFI et qui seront à nouveau renforcés avec le passage en communauté d'agglomération. Et puis, de façon aussi assez directe, je vous dirais que c'est aussi une opportunité politique, parce que passer en communauté d'agglomération,
nous permettra d'avoir davantage de poids politique et stratégique, de peser encore lorsqu'il s'agira d'aller discuter avec nos différents partenaires financiers, de discuter à l'instar de ce que peuvent faire déjà aujourd'hui les communautés d'agglomération de Béthune, de Saint-Omer, de Maubeuge, de Cambrai, et j'en oublie d'autres. Et donc voilà, le passage en communauté d'agglomération nous permettra d'être identifiés au même niveau que ces communautés d'agglomération et donc de peser davantage sur les choix politiques. Donc vous l'avez compris, je suis évidemment favorable à ce projet de passage en communauté d'agglomération et c'est la raison pour laquelle je voterai favorablement aux délibérations 33 et 55. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter par rapport à ce projet de passage en communauté d'agglomération. Y a-t-il des interventions ? Je pense que Mme Crépel souhaite intervenir. Je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Donc, bien évidemment, je suis favorable aussi à la transformation de la CCFI en communauté d'agglomération. Mais j'ai encore quelques questions parce que depuis 2020, la CCFI s'est tournée vers la Gure, donc vers le Dunkerquois. Et aujourd'hui, on sera isolé. On sera une agglomération coincée entre la CCFL et la CCHF, et après vers le Dunkerquois. Est-ce qu'il est prévu à terme de négocier des partenariats avec ces deux communautés de communes pour faire qu'une grosse communauté d'agglomération ? Première question. Vous avez d'autres questions ? Je continue. Oui. Allez-y, oui, je vous en prie. Ensuite, quels sont les transferts ? Parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement le transfert pour les 46 membres du Sidencian. Il n'y aura pas d'incidence au niveau du transfert des eaux pluviales urbaines. En revanche, les quatre communes isolées que sont Hazebrouck, Morbecq, Steinbeck et Steinvoorde, quels sont les services transférés ? Est-ce qu'il y a du personnel qui va être transféré ? Quels sont les services et les biens qui vont être transférés à la CCFI ? Pour animer cette compétence. Ensuite, pour la compétence politique de la ville et l'équilibre social de l'habitat, qu'est-il prévu ? Est-ce que les communes délégueront à la communauté d'agglomération les attributions des logements sociaux ? Comment ça va se passer ? Et comment l'agglo pourra-t-elle garantir l'équilibre social de l'habitat sur un grand territoire ? Et l'avantage financier, bon, vous en avez parlé, donc j'ai bien compris, c'est 400 000 euros en fonctionnement, qui vont abonder le budget de la communauté, de la communauté d'agglomération. Voilà quelles sont mes questions. Très bien. Alors, je pense que ces questions auraient pu être posées en conseil communautaire, et je rappelle que vous avez un représentant qui est tout à fait libre d'assister au conseil communautaire et d'intervenir, parce qu'aujourd'hui, le cadre de la délibération concerne évidemment la ville de Bailleul. Je vais vous répondre par rapport à la perspective de partenariat avec la CCHF et la CCFL. Je pense que on peut imaginer à long terme avoir une démarche commune, mais vous savez que les deux territoires que vous évoquez, les Hauts-de-Flandre et la Flandre-Lys, ont aussi des caractéristiques propres à leur territoire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous avons avec la CCFL, par exemple, des échanges très constructifs à l'intérieur du pôle métropolitain des Flandres, qui nous permettent d'avancer significativement, notamment pour aller chercher des financements auprès de l'État. Donc c'est un élément très important et qui est peut-être une base structurante d'un partenariat plus avancé dans les années à venir. Bon, vous savez également que les ressources financières dont dispose le territoire de Flandre-Lys sont un peu différentes de celles dont dispose la Flandre intérieure. Donc je crois que c'est aussi un sujet qui pourrait, le moment venu, peut-être empêcher d'avancer significativement sur le sujet. En tout cas, au-delà du fait que la communauté d'agglomération de Flandre intérieure ou Cœur de Flandre, je ne sais pas comment elle s'appellera, puisse être créée, cela permettra, vous l'avez compris, d'avoir une véritable identité, d'être la seule communauté d'agglomération en Flandre à exister. Et donc, nécessairement, ça permet aussi de répondre à une autre question. Le poids de la Flandre intérieure entre le Dunkerquois et la métropole lilloise sera d'autant renforcé. Et aujourd'hui, la communauté de communes de Flandre intérieure travaille avec beaucoup d'efficacité et beaucoup d'intelligence
avec l'agence d'urbanisme de Dunkerque, l'AGUR, telle que vous l'avez citée. C'est d'ailleurs l'AGUR qui a accompagné la CCFI et la ville de Bailleul pour porter le projet de candidature à la cité de la bière. Donc il y a vraiment un travail très efficace qui est mené. Et donc l'axe Dunkerque-Lille et l'orientation prise vers le Dunkerquois, avec aussi toutes les annonces que l'État a pu effectuer sur des implantations d'industries majeures sur le Dunkerquois, elles auront nécessairement des répercussions sur notre territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le passage en communauté d'agglomération est une évidence par rapport au projet de territoire que nous souhaitons porter et aussi par rapport au fait que, eh bien, quand on annonce la création de 20 000 emplois sur le Dunkerquois, ces 20 000 emplois ne pourront pas tous résider sur le Dunkerquois et nécessairement, il y aura une capacité d'accueil à trouver sur notre territoire et c'est un sujet évidemment très important. Ensuite, sur les quatre communes que vous évoquez qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne délèguent pas aujourd'hui la compétence eau et assainissement au Sidencian, elles ont chacune leur histoire. Vous savez qu'à Hazebrouck, c'est une régie municipale des eaux et je sais que le maire d'Hazebrouck et les élus municipaux sont très attachés à cette régie municipale. Et donc, il y aura simplement une représentation par substitution, par l'agglomération de la ville d'Hazebrouck auprès du syndicat. Donc, tout est prévu par rapport au transfert de charges, évidemment. Rien n'est acté nécessairement par rapport à la commission locale d'évaluation des transferts de charges qui interviendra dès qu'une compétence passe d'une collectivité à une autre. Mais les questions se résoudront évidemment, puisqu'elles sont aussi encadrées d'un point de vue législatif. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner. Mais vous l'avez compris, moi je pense que c'est un beau projet et c'est surtout une belle avancée pour notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non. Alors je mets aux voix donc la délibération d'abord 33 qui vote pour. Elle est adoptée. Et donc je mets également en voie la délibération 55 qui vote pour. Elle est également adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Christophe Legrois pour les délibérations budgétaires 34, 35 et 36. Bien, merci Monsieur le maire. Délibération, donc trois délibérations, mais pour des opérations financières que vous connaissez maintenant très bien et que vous maîtrisez. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le compte de gestion 2022, compte administratif 2022 et l'affectation définitive des résultats 2022. Pour mémoire, je vous rappelle que l'affectation provisoire a été votée à l'unanimité lors de notre dernier conseil de mars 2023. On va commencer donc par le compte de gestion. Alors, simplement, pour le compte de gestion, on peut passer à la diapositive suivante, merci. C'est un document purement comptable, hein, donc qui est établi par le comptable public, qui atteste la régularité de toutes les opérations. Et si je le prends, mais vous l'avez tous lu, certainement vous l'avez reçu, quand je prends le paquet qui est ici et qui est imposant, on peut estimer que notre commune est très dynamique et qu'elle fait beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup d'opérations financières qui y sont inscrites. Donc ce compte de gestion, c'est la dernière fois d'ailleurs qu'on le voit sous cette forme, puisque vous savez que depuis le passage à la M57, maintenant le compte administratif et le compte de gestion ne feront plus qu'un au profit d'un document qui va s'appeler le CFU, qui est le compte financier unique. Ça va simplifier les opérations et les allers-retours entre notre commune et le comptable public. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà pour le compte de gestion, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur le compte de gestion? Je le mets aux voix. Qui vote pour? Il est donc adopté. Monsieur Legrois, je vous laisse la parole pour évoquer maintenant le compte administratif. Oui, le compte administratif. Alors, pour le coup, le compte administratif doit être en tout point conforme au compte de gestion. Donc c'est une relation entre ces documents qui est importante, et c'est le cas, je vous rassure.
On dégage simplement de ce compte. On peut passer à la diapositive sur. Merci. On dégage simplement de ce compte administratif 2022 une situation assainie. Je vous l'avais évoqué déjà lors du bulletin prévisionnel. Du bulletin prévisionnel. On n'est pas à la météo. Du budget prévisionnel. Et donc, lors de ce budget prévisionnel, on avait dit que la situation était assainie. Effectivement, on dégage un résultat global excédentaire à hauteur de 2,5 millions. Dans le détail, 2,8 millions d'excédents de fonctionnement auxquels on retire un déficit de 293 268 en investissement. Alors, comme ça l'est indiqué, mais vous pouvez le lire comme moi, c'est le résultat effectivement d'une stratégie volontariste. Vous savez qu'on travaille systématiquement à ce que chaque euro dépensé soit un euro utile pour nos habitants et pour l'intérêt commun. Sur ce compte administratif, on peut passer à la diapositive suivante, on a des dépenses en fonctionnement à hauteur de 15 millions, des recettes à hauteur de 17 millions. Je rappelle que pour les dépenses, on l'a évoqué plusieurs fois, des évolutions du point d'indice qui nous pénalisent. On a une flambée du coût des énergies, une hausse historique des taux d'intérêt, une inflation qui pèse toujours, même si on voit des signes plutôt optimistes, mais elle pèse toujours, notamment sur les marchés publics. Soit donc un solde excédentaire à hauteur de 2 801 000 euros. Pouvons passer à la section suivante, merci. En investissement, on a des dépenses de 2 177 000 euros et des recettes d'1 500 000 euros, ce qui nous donne un solde déficitaire de 580 000 euros. On y reviendra après. Ce que je voulais, cette fois-ci, on a un peu innové, et quoi de mieux que des images, finalement, pour parler de chiffres, parce que les comptes administratifs sont des chiffres. Mais voyons un peu ensemble ce qui a été fait en 2022 à hauteur de ces 2 177 922 euros.
Bien, voilà. Donc, vous voyez, sur l'ensemble des 2 177 000 euros, tout ce que l'on a réalisé en 2022, il y a des choses qui sont encore en cours, même des choses de 2021 qui se terminent. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est qu'il nous faut que chaque euro qui est dépensé soit un euro utile. Alors, utile pour effectivement entretenir notre patrimoine. Notre patrimoine est important, vous l'avez vu dans la vidéo, faire en sorte que notre ville rayonne, que chacun, petits et grands, s'y sente bien, où il fait bon vivre. Et tout cela a été possible grâce, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une situation qui est assainie, mais également, je vous le rappelle, sans recours à l'emprunt et sans hausse de la fiscalité. Ça nous tient à cœur. Il est important qu'on maîtrise nos dépenses. En tous les cas, ces 2 177 000 euros ont été réellement bien utilisés pour cette année 2022. Et dans tous les domaines, on n'a eu aucun domaine laissé de côté. Donc, Monsieur le maire, concernant le vote, je vais vous demander de bien vouloir quitter la salle. Je vais d'abord proposer à l'Assemblée si certains élus souhaitent intervenir. On ne va pas être trop rapide. Ne voulez pas me pousser dehors trop rapidement. Est-ce qu'il y a des interventions? Non? Très bien. Donc je vous laisse la présidence. Merci, de l'Assemblée. Monsieur le maire. Bien. Donc, je vais donc mettre au voile cette délibération 23-035 concernant relative donc au compte administratif. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, compte administratif voté à l'unanimité. Très bien. Je vous laisse la parole pour la détermination et l'affectation des résultats définitifs de l'exercice budgétaire 2022. Oui, alors pour la ville et le cinéma, bien évidemment. Donc là également, ce sont des chiffres bien connus de vous tous. Donc pour les résultats définitifs de fonctionnement 2022, affectés sur l'exercice 2023, nous avons 2 801 000 euros en fonctionnement. Et pour les résultats définitifs d'investissement 2022 qui sont affectés également en investissement au budget 2023, un déficit de 580 000 euros. Concernant le cinéma, résultat définitif de fonctionnement 2022 affecté sur le budget 2023 à hauteur de 8 268 euros. Et concernant les résultats définitifs d'investissement 2022 affectés sur l'exercice 2023, 69 804 euros. Voilà, Monsieur le maire, pour les affectations définitives de résultats. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Non. Donc, je mets aux voix cette délibération 36, pardon. Qui vote pour? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Arnaud Devillet pour évoquer l'actualisation des tarifs municipaux. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter la délibération sur les modifications du tarif municipaux liées au recueil unique tarifaire. Merci. Alors, ces modifications concernent la location des salles municipales, également pour les écoles municipales d'art, donc avec la musique, l'art plastique, l'histoire de l'art, la dentelle, mais également l'escalade et le théâtre. Et enfin, pour les activités péri- et extrascolaires et de loisirs. Tarification plus juste et plus solidaire, donc en accord avec les engagements pris pendant la campagne électorale. Ce n'est pas nouveau pour vous, et c'est dans la continuité des actions donc, qui ont déjà été réalisées. Depuis le début du mandat, on a commencé avec les bons d'achat pour les bailleulois en 2021, qui étaient là pour relancer l'activité économique de proximité. Donc ces bons existaient à hauteur de 5 à 50 euros pour tous, mais ils étaient déjà soumis aux conditions de revenus.
On a continué en ce sens avec les bons de Noël des seniors, de 5 à 25 euros, doublé l'an passé, et on pouvait donc même obtenir jusqu'à 50 euros pour un couple. Toujours sur le même principe d'équité, la restauration scolaire municipale a été initiée en septembre 2022, ce qui a engendré une baisse pour la grande majorité des familles bayeuloises. Et enfin, comme l'a dit M. le maire, le passe famille asso, donc pour les petits bayeulois de 2 à 11 ans, pour leur permettre une inscription dans nos associations, avec un passe qui va de 5 à 100 euros, qui reconduit donc pour 2023 et qui est toujours sur la base des quotients familiaux. Alors, j'ai parlé des quotients familiaux, on va pouvoir en parler sur la slide suivante. Donc les principes, 10 tarifs fixés basés sur des tranches de quotients familiaux avec une progressivité, comme vous pouvez le lire. On va prendre en considération donc les revenus, la composition de famille ainsi que sa situation. Sur ces 10 tranches, vous avez une baisse des tarifs pour les 4 premières tranches, donc qui correspondent aux familles qui ont les revenus les plus modestes, et une hausse modérée et progressive pour les 6 tranches supérieures. On va les développer sur la slide suivante. Quelques exemples pour puissiez comprendre. Donc une famille monoparentale avec un enfant, un revenu mensuel de 1350 euros, inscription annuelle 23 euros. Un couple avec un enfant, revenu mensuel de 2400 euros, inscription annuelle 32 euros. Actuellement, les bayeulois enfants payent 34 euros et les adultes 51 euros sans condition de revenu. Donc c'est une égalité de façade pour nous, d'un tarif unique qui nourrit les inégalités sociale et au détriment des finances publiques. Donc, on croit fortement en cette équité sociale et c'est pour cette raison qu'on fait cette tarification. Autre exemple, vous voyez, couple avec deux enfants, revenu mensuel de 1850 euros, inscription annuelle 27 euros. Et on reprend la même situation avec un couple avec deux enfants, mais avec un revenu mensuel qui est plus important, donc 6250, et ils auront une inscription annuelle de 68 euros. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les accueils de loisirs, on a une baisse significative des tarifs des 4 premières tranches. Actuellement, les plus bas tarifs payent 13,25 euros. On va leur permettre de passer à 5 euros pour le tarif le plus bas. Donc, encore une fois, une justice sociale. Pour la tranche la plus haute, nous allons passer à un tarif de 40 euros qui reste un prix très attractif pour le territoire. C'est très très important de le préciser. Donc en résumé, cette mesure, on reste sur des tarifs attractifs sur le territoire, on respecte nos engagements, donc ils sont tenus, avec un principe d'équité et non d'égalité. Donc on peut le voir sur le schéma, l'égalité, on met des moyens, on met les mêmes pour tout le monde. L'équité, on prend en considération les besoins de chacun et on s'y adapte. Voilà. Cette mesure de justice sociale est très importante et on la continuera jusqu'à la fin de notre mandat. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la progressivité, le conditionnement en ressources en lien avec les quotients familiaux, c'est ce que nous avions déployé en septembre 2022 pour la restauration scolaire, vous vous souvenez. Et donc nous sommes partis exactement sur le même principe, des 10 tranches de quotients familiaux. Et l'objectif n'est pas de pouvoir augmenter significativement les recettes, même s'il y a des recettes supplémentaires, j'ai envie de dire. Je ne vous dirai pas qu'elles ne seront pas appréciables dans le cadre budgétaire de notre collectivité, mais l'objectif, c'est vraiment de mettre en place cette progressivité dans une mesure de justice sociale. Et vous le voyez à travers ce dessin qui est très représentatif. Nous, ce qui nous guide, c'est de réduire les inégalités sociales avec ce principe de progressivité de la tarification des activités municipales. Écoutez, s'il n'y a pas deux questions, je mets aux voix l'adoption de ce recueil unique tarifaire. Qui vote pour ? Merci, il est donc adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant, avec la délibération 39, à Géry Delangue.
Monsieur le maire, donc par cette délibération, nous souhaitons pérenniser un poste que nous avons créé il y a environ un an pour une durée de 3 ans, soit la fin du mandat, un poste intitulé « Stratégie d'aménagement durable » dont vous avez la fiche de poste dans la délibération et qui consiste à assurer le pilotage des projets d'aménagement du territoire et de transition écologique que nous avons lancés depuis le mandat et d'en assurer la cohérence. Donc pour illustrer les projets déjà lancés, nous avons le plan de mobilité dont les études sont en cours pour une ville toujours attrayante mais qui favorise les déplacements actifs. Et donc on a notamment illustré tout à l'heure des actions mises en œuvre comme les liaisons cyclables entre les hameaux et le centre, des travaux d'aménagement cyclable achevés dans le quartier Saint-Georges et devraient suivre les travaux d'aménagement cyclable route de l'Ocre et rue d'Ypres. Autre projet lancé, l'étude de modernisation du complexe sportif, donc, dont les équipements sont pour la plupart vieillissants. Nous voulons le moderniser, nous voulons des équipements, des bâtiments moins énergivores. Nous voulons intégrer un parc de 5000 m² boisés et nous voulons aussi prendre en compte la problématique de l'eau parce que nous sommes concernés par un risque inondation. Autre projet que nous avons lancé, donc, ce sont des projets structurants, notamment le travail sur la candidature sur le projet de Cité de la Bière, le projet au niveau du 82 rue du Four, et de manière générale, notre stratégie immobilière et aussi, comme nous sommes une commune, article 55 de la loi SRU, nous devons produire du logement social, donc il y a aussi un travail déjà lancé avec différents bailleurs sociaux. Et enfin, la mission confiée à notre agent sera aussi de travailler sur les projets d'aménagement de l'espace public. On en parlera tout à l'heure, notamment pour des espaces publics plus verts et plus durables. Merci, Monsieur Delangue. Y a-t-il des questions, Madame Crépel ? Monsieur Delangue, pour vos informations. Parce qu'effectivement, moi, ce qui me posait question, c'était quels étaient les projets qui étaient menés par ce contrat de projet. Mais vous l'avez dit vous-même, il est là depuis le début. Enfin, il a été recruté depuis le début. Et là, c'est qu'une continuité de son contrat qui va aller jusqu'à la fin du mandat, si j'ai bien compris. Alors, il pilote. Alors, il fait beaucoup de choses. Hein. Le plan de mobilité avec les liaisons cyclables, l'étude de modernisation du complexe sportif, la Cité de la Bière, la rénovation de la rue du Four, la stratégie immobilière, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Mais d'ailleurs, il y avait une question que je voulais vous poser par rapport aux décisions qui ont été prises. Notamment, j'ai vu deux demandes de subvention auprès du département concernant des projets structurants, justement. Une de 267 000 euros pour la réhabilitation du complexe sportif et une autre de 2 100 000. Donc ça correspond à ce qu'il a été fait, peut-être. Enfin, ce sont des questions que je pose, tout simplement. Monsieur Delangue. Peut-être Mathilde peut répondre sur la subvention du département. Mais ça d'abord, mais dans la première partie de la question. Donc pour l'ensemble, oui, donc c'est une liste non exhaustive. Donc on s'est engagé lors de la campagne, donc il y a 50 engagements. L'idée, c'est de les décliner maintenant, de les mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai qu'on part, on va dire, de zéro. Donc, il y a une dynamique qui est lancée. Donc, pourquoi tant de projets sont affectés à la même personne ? C'est parce que si on veut avoir une cohérence dans notre action, il faut que le pilote puisse avoir une vue globale de l'ensemble des projets. Et après, nous ne sommes pas seuls, hein, nous travaillons avec la communauté de communes, avec la GUR. Voilà. Merci. Concernant les demandes de subventionnement, vous avez compris qu'on essaie d'optimiser les recettes et donc on va
taper à la porte de tous les financeurs potentiels. Je vais laisser Mathilde Charpentier vous apporter quelques éléments. En ce qui concerne le PTS, on avait eu pour le PTS précédent une subvention pour le réaménagement urbain à Nathalie Dumay, et on a mis tout un certain nombre de réaménagements du complexe sportif pour le PTS 2000, qui court sur 2023-2024. Donc ça, on n'a pas encore eu les résultats. Et en parallèle, on a aussi fait tous les dossiers de subvention auprès de l'ANS pour tous les bâtiments, enfin pas les bâtiments, mais les constructions sportives qu'on a prévu de faire dans le réaménagement du complexe sportif. Merci. Budget total prévisionnel pour ce réaménagement. Je suppose que vous avez une vision. Non. Alors, actuellement, le projet n'est pas encore défini parce que, de façon très claire, si nous répondions favorablement à l'ensemble des demandes qui avaient pu nous être formulées, je pense que nous obérions le budget d'investissement pour les 10 prochaines années. Et donc maintenant, il faut objectiver entre les besoins exprimés et les besoins réels, et aussi notre capacité d'investissement. Et donc nous sommes dans une phase de programmation pluriannuelle des différents dépenses d'investissement, en sachant que des projets seront priorisés par rapport à leur maturité dès 2023 et dès 2024, et d'autres seront évidemment planifiés à plus long terme, puisque je vous rappelle qu'en ce qui concerne le plan Sport 2030 que nous avons lancé en début de mandat, ce plan, comme son nom l'indique, est à horizon 2030 et même peut-être au-delà en fonction de la trajectoire financière que la collectivité sera en mesure de suivre. Et donc, cette programmation pluriannuelle s'inscrira évidemment sur ce mandat-ci et au-delà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je mets aux voix la délibération 39 qui vote pour. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons à l'éducation et je passe la parole donc à Gaël Lefebvre de Haut qui va nous présenter l'ambitieux projet éducatif global que nous portons. Merci Monsieur le maire. Alors j'ai l'honneur ce soir de présenter au vote le projet éducatif global de la ville de Bailleul. L'utilisation du mot honneur n'est pas anodin. Car à travers ce projet éducatif, tout comme à travers nos 50 engagements dans le cadre de Ville Amie des Enfants, je voudrais vraiment mettre en avant la politique ambitieuse et volontariste en faveur de nos enfants et de nos jeunes bailleulois. Je le pense certes en tant qu'élu, mais je le pense également en tant que parent. Mettre en avant également le travail engagé des acteurs de l'éducation sur notre territoire. Je parle ici évidemment des 80 agents du service éducation qui œuvrent au quotidien autour de nos enfants, dans les écoles, de la centaine d'animateurs qui encadrent les centres de loisirs chaque année, de nos agents du service culture, de l'espace partage, du CCAS, des services techniques et espaces verts, et plus globalement des agents de la ville, de la communauté enseignante, des associations de parents d'élèves engagés, de nombreuses associations sportives et culturelles bailleuloises et des partenaires institutionnels qui sont présents à nos côtés. En citant l'ensemble de ces acteurs, je pense dire le principal au sujet de ce projet éducatif 2023-2026. La coéducation et la démarche partenariale en sont les clés. Depuis le début du mandat, c'est ce qui nous a porté et c'est ce qui nous a permis de le compléter et de le faire évoluer, malgré les difficultés de la crise sanitaire, pour réunir les personnes. La création du réseau jeunesse, composé de l'ensemble des acteurs du territoire, les collèges, lycées, missions locales, pôle emploi, centres de formation, centres de lutte contre les addictions, que nous mettons régulièrement autour de la table pour échanger. Le réseau partenarial de la petite enfance sur le territoire bailleulois qui n'existait pas. Les échanges réguliers avec les enfants du CME, du CMJ, pour porter leurs projets et les mettre en place. Le diagnostic jeunesse effectué sur le territoire en questionnant et en écoutant les jeunes. Le questionnaire que nous avons adressé aux familles en 2022. Le travail étroit avec l'éducation nationale, les directions d'école, les enseignants et les parents. Et les échanges quotidiens, évidemment, avec les équipes de la ville qui travaillent auprès de nos enfants. C'est donc dans la lignée du travail déjà effectué dans le cadre du titre Ville Amie des Enfants et avec tous les acteurs cités précédemment que nous avons décidé de travailler encore davantage en 2023-2026. Les axes suivants, le bien-être des enfants
et des jeunes, la lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimination, un parcours éducatif de qualité, l'engagement à tout âge et un travail de fond sur le respect et la compréhension des droits de l'enfant. Ce projet éducatif est détaillé dans un document de 30 pages. Nous travaillons à l'heure actuelle sur un document communicable à tous et au plus vite pour que chacun puisse vraiment se rendre compte, si tant est que vous n'en êtes pas déjà convaincu comme moi, des moyens et des ambitions que nous mettons à disposition de nos enfants et de la jeunesse. Je demande donc au Conseil de bien vouloir approuver aujourd'hui ce projet éducatif. Merci Gaëlle, c'est vraiment un formidable travail et j'associe évidemment à ces félicitations l'ensemble des agents municipaux qui œuvrent au quotidien au contact de nos enfants. Madame Ducourant. Merci Monsieur le maire, merci aussi Madame Lefebvre et évidemment tous les agents et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet éducatif global, qui est effectivement un beau projet et j'invite tout le monde à le lire et à accéder. J'ai hâte de voir comment vous allez le rendre accessible parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, enfin c'est très clair, hein, on peut lire les 30 pages, c'est tout à fait accessible, mais c'est vrai que si on avait des illustrations qui pouvaient les rendre accessibles aux enfants, et je pense que c'est le projet, ce serait très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce plan éducatif global, beaucoup de belles choses, notamment le retour des livres offerts au CP, des dictionnaires au CM2, pour être peut-être anecdotique, mais de manière très générale, voilà, je voulais saluer ce travail. Ce plan éducatif global nous donne aussi l'occasion de mettre à l'honneur les animateurs, et particulièrement les animateurs périscolaires, puisque leur travail est précieux et... c'est eux qui vont mettre en œuvre quand même majoritairement ce plan éducatif global, même s'ils ne sont pas seuls dans ce travail-là. Et c'est vraiment un travail global, comme son nom l'indique, et ça va jusqu'à la végétalisation des cours d'école. Et donc tous les agents sont concernés, les agents, les parents et même des bénévoles, puisque j'ai bien compris que vous souhaitiez intégrer tout un village pour l'éducation de ces enfants. Donc... Pour être un peu plus précise, je voulais aujourd'hui parler des animateurs périscolaires, puisqu'ils ont fait l'actualité vendredi dernier, le 2 juin. Comme vous l'avez sans doute vu dans la presse, ils étaient en grève. 90% de l'effectif employé par la municipalité déambulait dans le centre-ville. Alors leur demande est altruiste, puisqu'elle se tourne d'abord vers le bien commun et le bien-être des enfants, puisque c'est de leurs conditions de travail que dépend la qualité de l'accueil des enfants. Et c'est vraiment cela qu'ils mettent en avant. Je pense donc qu'il y a un travail à faire en commun avec eux, puisque bien sûr il y a beaucoup de volonté de la part de la municipalité et des choses vraiment à saluer. Je vais redire ce que vous avez dit, la baisse du prix de la cantine pour les familles, la mise en place de la rue scolaire qui permet de bloquer l'accès aux voitures et de rendre l'accès plus serein à l'école. On peut aussi parler de l'augmentation du nombre de places en centre aéré, mais tout cela, ce sont des excellentes initiatives, bien sûr, et il faut les renforcer, même les développer. Je pense que toutes les écoles devraient bénéficier de ces rues scolaires, par exemple. Mais elles ne peuvent être mises en place, ces mesures, que s'il y a des moyens à la hauteur en face. Et les animateurs périscolaires ont l'air de penser que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut les écouter et avoir des échanges renforcés avec eux, parce que l'animation est un vrai métier. Il faut vraiment... les entendre quand ils évoquent un manque de moyens. Alors nous soutenons les animateurs et les animatrices périscolaires de la ville de Bailleul. Aux côtés des parents, des professionnels, nous nous associons à leur demande de moyens, en particulier bien sûr pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. L'animation périscolaire ne peut pas rester un métier précaire qui provoque des frustrations chez les professionnels. Il est vraiment temps de reconnaître la qualité et l'engagement professionnel des animateurs. Cela passe, comme ils le demandent, par des formations diplômantes, par des titularisations, afin de stabiliser les équipes, puisque actuellement il y a des animateurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter qui se posent des questions sur leur avenir, en fait, hein, et envisagent l'idée de changer de métier, ce qui est vraiment dommage quand on connaît leur engagement professionnel. Et je pense que c'est également important, par des budgets concertés étroitement avec les équipes d'animation.
Voilà, et donc je pense que les animateurs périscolaires attendent votre réponse sur tous ces points-là. Merci. Bien, juste quelques éléments avant de te laisser la parole, Gaëlle. Parce que Gaëlle va très probablement vous lister l'ensemble des actions qui ont été portées pour développer l'animation périscolaire depuis le début du mandat, et vous verrez que ces actions-là sont significatives. Donc quand on parle de manque de moyens, vous objectiverez avec les différents éléments qui y seront avancés. Je voulais juste rebondir aussi sur l'aménagement de rues scolaires, parce que vous dites que vous aimeriez que les rues scolaires se déploient pour toutes les écoles, mais je pense qu'il faut aussi avoir une réalité de terrain, et que pour certaines écoles, il est impossible d'imaginer la rue scolaire. Vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, l'école Jacques Prévert d'Outersten, très difficile d'imaginer de couper la départementale. Vous prenez, l'école de la crèche, pareil, vous avez quand même un accès majeur à la crèche. Si vous bloquez pendant le temps d'entrée et de sortie des enfants la rue, ça risque d'être assez compliqué pour accéder à l'école. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un regard très fin, et c'est ce que nous portons d'ailleurs. Nous l'avons fait auprès de l'école Victor Hugo du groupe scolaire Yann de Bel. Nous continuerons à le développer dès septembre prochain autour de l'école maternelle et de l'école élémentaire Pasteur, parce que nous avons travaillé, parce que nous avons aussi proposé des aménagements pour permettre aux personnes d'accéder jusqu'au site. Et je pense que je ne voudrais pas être dans une démarche qui consiste à affirmer sans travailler en amont, et le travail en amont, on le mène, et on objective véritablement toutes les écoles qui seront en mesure, le moment venu, eh bien, d'accueillir le dispositif de rue scolaire. Et puis, avant de passer la parole à Gaëlle, vous dites que les animateurs périscolaires se posent des questions. Évidemment, c'est tout à fait naturel et légitime. Mais quand on se pose des questions, il faut aussi pouvoir accueillir les réponses. Et je sais que notre directrice générale des services leur avait proposé de les recevoir pour justement les entendre et échanger avec eux par rapport à leurs revendications au moment du dépôt du préavis de grève. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité donner suite. Et sachez d'ores et déjà qu'un rendez-vous est fixé le 16 juin à l'initiative de notre directrice générale des services pour justement avoir ce temps d'échange que nous appelons de nos voeux, parce que, encore une fois, quand dans quelques instants vous allez découvrir l'ensemble des actions qui ont été portées et des moyens qui ont été mis en œuvre pour favoriser l'animation périscolaire, eh bien, vous rendrez compte que l'ambition, elle est là. Voilà. Je passe la parole à Madame Lefebvre. Oui, alors déjà quelques petites précisions. Effectivement, 90% de nos animateurs étaient en grève, mais 90% n'étaient pas forcément dans la rue à manifester. Voilà, ça c'était un premier sujet. On rappelle aussi que c'était un mouvement de grève national, hein, et pas forcément juste un mouvement de grève local. Donc, ce qui n'enlève en rien, en tout cas, à ce qu'ils ont envie de nous dire, et on les écoute évidemment, puisque comme l'a dit Monsieur le maire, on leur avait proposé un rendez-vous en amont de la grève, dès que nous avions appris d'ailleurs le mouvement de grève, dès le mercredi, je pense, si je ne me trompe pas. Nous n'avions pas eu de réponse, mais bon, soit. Après moi, les animateurs et les équipes périscolaires, je travaille avec eux depuis 2020, depuis ma prise de fonction en tant qu'élue. Je suis responsable ressources humaines de métier, donc les conditions de travail sont clairement mon quotidien, et on y a attaché beaucoup d'importance avec l'équipe périscolaire en place depuis 2020, parce qu'en effet, on avait constaté un certain nombre de choses qui n'étaient pas normales. Je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont évolué depuis 2020. Il n'y avait par exemple aucune réunion de préparation. Voilà, dans le cadre des activités périscolaires. Donc ça a été mené. 1h30 par semaine sont dédiées à des réunions de préparation dans le cadre du périscolaire. Les heures supplémentaires des animateurs sont rémunérées. Il faut savoir que ce sont les seuls parmi les agents à avoir des heures supplémentaires payées. Les autres, en général, dans les services, ont des heures en récupération. Nous avons désigné dans chacune des écoles des animateurs référents, donc les plus diplômés et les plus expérimentés.
pour justement aider les animateurs les moins expérimentés. Ces personnes-là bénéficient de 3 heures en plus rémunérées dans le cadre de ces missions de référent. Nous avons aussi augmenté les heures de leur planning pour coller aux heures réelles d'arrivée et de départ. Pour donner un exemple, les espaces périscolaires ouvrent à 7h30 et terminent à 18h30. Auparavant, on sait très bien que, du coup, que les animateurs arrivent, ouvrent l'école, etc., avant que les enfants arrivent avec les parents. Auparavant, ça a démarré, entre guillemets, leur horaire de travail démarrait à 7h30. On en a discuté avec eux. Par exemple, aujourd'hui, leur horaire de travail démarre à 7h20 et non pas à 7h30. Parce qu'en effet, réellement, ils sont sur site bien avant 7h30. Même chose pour le soir. Voilà, on les a écoutés, ce qui fait que, et même chose pour le midi, ce qui fait que ça leur fait effectivement 50 minutes de plus rémunérées par jour, ce qui n'était pas le cas avant. Auparavant également, globalement, tous les jours, ou presque, ils pouvaient être affectés à des écoles différentes. Voilà, ça pouvait arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas encore quand il y a des absents, etc., qu'on puisse déplacer des animateurs, mais majoritairement, le travail qui est fait, aussi bien dans l'intérêt des animateurs que dans l'intérêt des enfants d'ailleurs, c'est de les positionner dans les mêmes écoles, avec les mêmes équipes. Donc ça, on essaie au fur et à mesure, dans les mesures du possible en tout cas, de pouvoir le respecter. Nous avons mis en place aussi depuis 2020 une pré-rentrée qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que pendant 3 jours avant la reprise de l'école, on réunit les animateurs, on les forme, on leur explique leur mission. Ils décident collectivement des thèmes d'animation pour l'année. Donc c'est eux qui sont à l'initiative de l'ensemble des thèmes d'animation qui sont mis en place par la ville conjointement, forcément et en lien avec nos orientations politiques. Ils ont donc l'occasion très régulièrement de discuter avec les responsables, avec les élus, à l'éducation et à la jeunesse notamment. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des temps de réunion et des temps de préparation qui ont été mis en place toutes les semaines, ce qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Ils ont droit à des bilans individuels qui sont faits chaque année, des bilans collectifs de fin de période également. Donc, managérialement parlant, en tout cas, il y a un encadrement de qualité et on s'en assure au niveau de la direction périscolaire. Relativement de souplesse, mais ça, c'est normal, on essaye de le faire autant que possible, mais ce n'était pas si simple. Quand on souhaite récupérer ou quand on souhaite être absent, quand on est un animateur, ce n'était pas si simple auparavant. Aujourd'hui, les équipes font en sorte et se démènent de trouver des solutions pour ne pas les laisser en difficulté. Leurs remarques sont prises en compte très régulièrement pour faire évoluer les pratiques. Ça aussi, ça tient à cœur aujourd'hui des directeurs périscolaires, en tout cas de les impliquer dans les décisions et, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'animation. On a développé une certaine pluralité dans leur mission, évidemment s'ils le souhaitent, parce que rien n'est obligatoire, mais en tout cas on a des animateurs périscolaires aujourd'hui qui interviennent à la médiathèque, qui interviennent au sein du dispositif Capado, qui proposent des animations jeux vidéo parfois à la médiathèque aussi, qui interviennent dans le cadre du centre social, qui peuvent même partir en classe de neige avec nos élèves s'ils le souhaitent, qui participent aux classes civiques, bref, l'idée, les sortir de la monotonie, peut-être qui peut parfois arriver, et aussi développer leurs compétences, parce que tout ça, on le fait aussi pour ça. On met en lumière leur travail, ça non plus, ça n'existait pas, et ça, c'est hyper important, par les communications qu'on fait au niveau de la ville, mais aussi dans chaque conseil d'école. On a mis des outils en place de façon à ce qu'on puisse communiquer avec les parents. Je pense que, globalement ici, les parents qui ont des enfants dans les espaces périscolaires savent et voient ce que leurs enfants font pendant les temps périscolaires. Et ça, ce n'est pas juste pour valoriser le travail des enfants, c'est aussi pour valoriser le travail de nos animateurs et la qualité de leurs animations. Accessoirement, on est passé de 25 animateurs en 2020 à 36 en 2022. Alors certes, on a aussi des effectifs qui ont augmenté par rapport à 2020, mais l'augmentation, en tout cas du taux d'encadrement, est assez conséquent pour le souligner. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour rajouter à ça? C'est déjà pas mal. Évidemment, on est à leur écoute. On les soutient aussi. On les invite à passer des concours. Parce que la voie de la titularisation, elle peut aussi passer par passer des concours dans la fonction publique.
Voilà, donc ils font partie, je pense, comme tous les agents, et enfin, au niveau de la politique RH de la ville, au bout de 4 années, les situations des agents sont étudiées. Les animateurs sont exactement dans le même cas. Au bout de 4 années dans nos effectifs, leur situation pour une éventuelle stagiarisation est étudiée comme tous les autres agents de la ville. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, et je ne vous parle pas des formations qui ne sont peut-être pas des formations diplômantes, mais en tout cas, qui ont des temps de formation réguliers, je pense à chaque trimestre par des personnels qualifiés autour de la thématique du handicap, de la gestion des émotions, de la détection du harcèlement, de jeux collaboratifs. Bref, il y a énormément de choses qui sont faites, j'en ai certainement oublié. Nous les prenons en considération, on est bien conscients, et on le dit régulièrement dans les conseils d'école et autres, qu'ils font un travail formidable. Moi, je leur dis régulièrement aussi. Nous allons les écouter vendredi prochain avec Madame Depardieu, comme on s'est engagé à le faire. S'il faut encore faire évoluer des choses, en plus de ce qu'on a fait déjà, on l'écoutera, on le fera. Après, dans la limite aussi du raisonnable et de nos possibilités et financières et légales. Voilà. Je ne sais pas si je peux encore rajouter quelque chose, mais ça paraît déjà pas mal. Je vous avais dit que ce serait un peu long, parce que, encore une fois, le travail entrepris depuis le début du mandat, et merci Gaëlle d'avoir pu évoquer ces éléments qui, malheureusement, ne sont pas sus, mais qui montrent aussi toute l'attention que nous portons à l'animation périscolaire, à la qualité que nous exigeons sur ces temps essentiels dans la vie d'un enfant. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire, nous n'avons pas la prétention de tout faire de façon parfaite, mais en tout cas, l'ambition, elle est là, les moyens sont également là, et nous continuerons à accompagner ce temps périscolaire avec, évidemment, le temps d'échange qui aura lieu le 16 juin prochain. Voilà. Je mets aux voix donc le projet éducatif global, délibération 42, qui vote pour. Il est donc adopté. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 43 par rapport à l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Et je passe la parole à Gilles Devienne. Merci, monsieur le maire. Je vais faire appel un petit peu à votre mémoire, mais vous avez tous dans la tête la date du 7 octobre 2021 où le conseil municipal portait officiellement la candidature du territoire de Bailleul pour obtenir l'habilitation et l'expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. Vous avez, je suppose, aussi en tête la date du 13 mars 2023 où le territoire de Bailleul obtenait enfin l'habilitation. Donc, je vais être assez rapide. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention pluriannuelle 2023-2026 entre l'association d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, la ville de Bailleul, le département du Nord et l'État, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Merci. Merci, monsieur Devienne. Madame Ducourant. Merci, monsieur le maire. Alors, je voulais saluer vraiment l'action d'une association sans qui rien n'aurait été possible, qui a vraiment œuvré depuis plusieurs années sans jamais se décourager, alors que pourtant les embûches étaient là. Ça n'a pas été une histoire si simple, ce territoire zéro chômeur de longue durée à Bailleul. Et donc, je voulais vraiment saluer l'énergie, l'efficacité des bénévoles qui sont engagés auprès d'Escabel. Parce que bien sûr, l'action des politiques, l'action des élus municipaux, l'action des élus du département du Nord est importante, mais il faut qu'il y ait un terreau, une action qui vienne du terrain, et je voulais vraiment les remercier. Escabel a bien compris qu'accompagner au quotidien les personnes qui sont éloignées de l'emploi, ça demande des moyens, ça demande du temps, et il ne se décourage jamais, et je trouve que ce conventionnement est une excellente nouvelle parce qu'il permettra un meilleur accompagnement des personnes éloignées de l'emploi pour permettre de développer des projets intéressants aussi pour le territoire de Bailleul avec ces entreprises à but d'emploi, et donc renouer avec l'emploi et permettre le développement de nouvelles activités sur le territoire. C'est vraiment une excellente nouvelle, et donc je suis très favorable à ce conventionnement. Merci. Merci, mais peut-être sans le savoir, vous reprenez les propos que Gilles Devienne et moi avons pu tenir le 2 mars dernier, lorsque nous avons reçu pour la signature avec
l'association Créative qui a avancé 40 000 euros en fonds de trésorerie pour l'entreprise à but d'emploi. Donc ces propos que nous avons tenus à l'endroit de toutes celles et ceux qui se sont engagés depuis la réflexion sur cette expérimentation et qui effectivement ont pu, en symbiose avec la ville, porter cette candidature jusqu'au bout. Voilà, donc merci. Je mets aux voix donc la délibération 43. Qui vote pour ? Je vous remercie. Je passe la parole à M. Vandenabel pour la délibération 44. Merci, M. le maire. Vous le savez toutes et tous, cette année 2023 a été une année très riche en matière de coopération internationale, avec trois anniversaires, les 50 ans du jumelage avec la ville de Hoek en Écosse, que nous avons fêté à l'occasion du carnaval, et dernièrement, vous le savez, les 8 et 9 mai derniers, les 10 ans du jumelage avec la ville de Kuritz et les 30 ans du jumelage avec la ville d'Isegem, donc Kuritz en Belgique, Kuritz en Allemagne et Isegem en Belgique. Alors après avoir échangé avec nos amis belges, allemands et polonais aussi, nous avons décidé de remplacer les traditionnels cadeaux protocolaires qui s'échangent très régulièrement à l'occasion des anniversaires de jumelage par un don en espèces équivalent à disposition de la ville de Vach pour l'assister dans son soutien aux personnes déplacées en Ukraine, très nombreuses sur son territoire depuis le début de cette guerre. On est environ à 800 personnes pour une population de 27 000 habitants. Alors c'est une mesure symbolique, mais c'est le souhait aussi commun des cinq villes jumelles de Bayeul, donc Isegem, Verne, Kuritz et Walsh. Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à verser un don de 300 euros à la ville de Kuritz en Allemagne, donc, qui coordonne l'aide des villes jumelles aux Ukrainiens déplacés à Walsh et à ces villes jumelles d'Ukraine, donc Korzetch et Kotchim. Voilà. Merci. Madame Ducourant. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous parlions en introduction de ce conseil municipal du devoir de mémoire à l'occasion du concours national de la résistance et du collège qui a participé. Aujourd'hui, le devoir de mémoire se joue au présent et il se vit au quotidien, puisque, comme nous le savons tous, la guerre continue de faire rage en Europe, à nos portes. Et il est très très important de redire notre soutien aux réfugiés ukrainiens, aux réfugiés que nous accueillons à Bayeul, mais aussi aux réfugiés déplacés à travers l'Europe, et notamment en Pologne ou en Allemagne. Bon, en l'occurrence, le soutien que nous voterons ce soir, je le souhaite, j'y suis très favorable, concerne les déplacés d'Ukraine en Pologne, grâce au jumelage. On a cette opportunité d'exprimer notre fraternité. Le symbole ici, puisque vous parlez de symbole, Monsieur Vandenabel, c'est vrai que c'est un symbole, mais c'est un symbole qui sera très utile. C'est plus qu'un symbole, c'est malgré tout très concret. Il y en a un autre de symbole qui est illustré par ce drapeau qu'on voit sur l'illustration que vous avez choisie. Le drapeau ukrainien qui ornait encore il y a peu la façade de Bayeul. Je serais très, très heureuse de voir à nouveau ce drapeau flotter sur la façade de notre hôtel de ville. C'est très important d'avoir cette réalité vivante sous nos yeux en Flandre, dans toutes les communes que, je ne pense pas me tromper, dans les communes qui avaient arboré ce drapeau il y a plus d'un an. Aujourd'hui, on le voit disparaître un peu partout. Et voilà, je trouve que c'est dommage. Notre soutien, il existe, il est manifesté aujourd'hui. Et je pense qu'il peut s'exprimer également avec ce drapeau qui, à mon avis, devrait être visible jusqu'au retour de la paix en Ukraine, qui, j'espère, interviendra le plus vite possible, même si les nouvelles qu'on entend chaque jour à la radio ne sont pas très belles. Merci. Nous espérons évidemment toutes et tous, de toutes nos forces, que la paix puisse revenir en Ukraine. Et j'ai envie de dire, au-delà du symbole du drapeau que j'entends parfaitement, et je n'ai pas de difficulté à imaginer réinstaller le drapeau, il faudra décider lequel nous retirons par rapport au pays qui identifie nos villes jumelles. Mais je veux dire, au-delà du symbole, j'ai envie de réaffirmer, je le fais parce que le sujet est à l'ordre du jour, mais j'ai envie de dire, c'est un fonctionnement naturel pour nous, le soutien que nous apportons au quotidien. Nous avons pris une délibération le 17 mars 2022, au tout début du conflit,
en soutien au peuple ukrainien qui était envahi par la Russie. Cette action de soutien, nous la menons également au quotidien avec, par exemple, l'action du CCAS qui accompagne aujourd'hui 5 familles ukrainiennes qui sont sur notre territoire à travers une démarche d'inclusion dans les écoles, sur les temps périscolaires ou extrascolaires, à travers également le fonctionnement de l'épicerie solidaire. Donc, oui pour les symboles, mais surtout oui pour l'action que nous menons au quotidien à l'endroit de ces familles. Voilà. Je mets aux voix la délibération 44. Qui vote pour ? Elle est adoptée. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Marjorie Van Edberg qui va évoquer simultanément les délibérations 46 et 47 qui concernent la végétalisation de l'espace public. Madame Van Edberg. Merci, monsieur le maire. Vous le savez, on a à cœur d'offrir à nos habitants une ville toujours plus verte. Donc, ces deux délibérations vont dans ce sens. La première vise à permettre au profit des habitants sollicitant un permis de végétaliser l'espace public, l'enlèvement d'une portion de bitume le long des habitations afin de permettre des plantations pérennes et non invasives, respectueuses de l'environnement. Nous proposons depuis l'année dernière aux habitants de végétaliser l'espace public proche de leur habitation, comme les pieds des arbres par exemple. La délibération que nous proposons d'adopter aujourd'hui va plus loin, puisqu'il s'agit de permettre aux habitants volontaires de retirer le long de leur habitation et sur le trottoir une bande de bitume afin qu'ils puissent y faire des plantations. Évidemment, il ne s'agit pas d'autoriser n'importe quelle plantation, ni de retirer de larges portions enrobées. Ce sont les services de la ville qui procéderont à la débitumation, donc l'enlèvement de cette partie de bitume, et qui pourront expertiser le projet qui, en aucun cas, ne pourra entraver la libre circulation sur les trottoirs, ni causer des dommages irréversibles par un système racinaire trop invasif, par exemple. La charte municipale de la végétalisation et la convention d'autorisation signée fixent les droits et devoirs des personnes volontaires. Cette autorisation sera bien évidemment précaire et révocable. Nous souhaitons encourager les habitants à s'impliquer dans la végétalisation de l'espace public pour faire de notre ville une ville encore plus verte et embellir notre cadre de vie. La seconde délibération vise à autoriser la ville à conventionner avec le département en vue d'entretenir et d'intervenir directement sur le domaine public départemental aux entrées de la ville pour végétaliser et embellir les espaces délaissés, bitumés ou minéralisés. Lors de l'adoption du budget primitif pour l'année 2023, nous avons prévu une enveloppe de 15 000 euros pour la végétalisation et l'embellissement des entrées de ville. Si les services de la ville interviennent sur les ronds-points, qui nous ont d'ailleurs valu les félicitations du jury des villes et villages fleuris, ils ne peuvent intervenir sur les entrées de ville parties du domaine public départemental sans son autorisation. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au département de mettre à notre disposition cette partie de son domaine public et l'objet de cette délibération qui vise à autoriser la signature d'une convention. Merci, madame Vandenberg. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Non, voilà, donc l'objectif, il est simple, de rendre une ville moins minérale et donc plus végétale. Et donc nous interviendrons cette année sur les entrées de ville et nous étendrons, comme Marjorie vient de l'expliquer, le permis de végétaliser sur le fait d'aller débitumiser, enfin, j'ai toujours du mal un peu à choisir, à voir comment ce mot est construit, l'espace public de façon à pouvoir y mettre de façon pérenne de la végétation. Donc je mets aux voix d'abord la délibération 46 qui concerne le projet de conventionnement avec le département pour les entrées de ville. Qui vote pour ? Elle est donc adoptée à l'unanimité, merci. Et maintenant je mets aux voix la délibération 47 qui concerne l'extension du périmètre d'intervention du permis de végétaliser. Qui vote pour ? C'est adopté à l'unanimité, merci. Je passe la parole à Laurence Duré pour la féminisation que nous poursuivons de l'espace public. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, nous poursuivons l'objectif de féminiser le nom des rues de Bailleul, car sur 254 rues, seules 3 portent le nom d'une femme contre 60 celui d'un homme. Donc, après consultation du CHAB et du service patrimoine de la ville, nous avons dénommé en 2021, du nom d'Anne-Lise Bels, Alice Bels, pardon, la rue de la résidence Harmonie derrière l'école d'Antelière. Aujourd'hui, avec ces 4 délibérations, nous visons à dénommer 4 autres voies,
donc trois voies existantes, mais officiellement sans nom. Donc une voie au Ravensberg, en haut du Ravensberg, du côté de la Beurstraat vers Saint-Jean-Scapelle, en centre-ville, le chemin rénové menant au local des scouts et pour lequel les riverains ont été consultés, et une nouvelle voie à la ZAC des Collines, où Copronor, filiale du bailleur Habitat Hauts-de-France, construit actuellement 10 maisons. Donc en tant qu'élu, vous avez également été interrogé en amont pour choisir le nom d'une personnalité féminine, avec une particularité concernant la voirie nouvellement créée à la ZAC des Collines. Nous avons choisi le nom d'une déesse romaine pour garder la spécificité du quartier, baptisé de nom en lien avec la villa gallo-romaine qui a été découverte en 2005 à l'occasion des travaux de la ZAC. Ainsi, nous avons choisi d'honorer donc, quatre femmes. D'abord, Jeanne de Vos, que tout le monde connaît, donc photographe et amoureuse des Flandres. Madeleine Béat, peut-être un petit peu moins connue, artiste qui a réalisé notre actuelle Gargantua. La déesse romaine de la fertilité et du printemps, Maya, qui est identifiée à la terre et qui donna son nom au mois de mai. Et enfin, Mathilda. Alors, Mathilda, c'est le prénom de Mathilda Jocelyn Gage, une militante féministe et abolitionniste américaine qui inspira le nom d'un phénomène observé par l'historienne des sciences Margaret Rositer, qui mit en évidence au début des années 80 l'invisibilisation des femmes scientifiques, auteurs de découvertes majeures au profit de leur mari, de leur employeur ou de leurs collègues masculins. C'est ce qu'on appelle donc l'effet Mathilda. Donc pour vous donner quelques exemples de cet effet Mathilda, des exemples particulièrement connus, on doit par exemple à Lise Meitner la découverte de la fission nucléaire. C'est pourtant son collègue et ami Otto Hahn qui reçut le prix Nobel de chimie en 1944 pour le résultat de leur recherche. Marthe Gauthier, qui découvrit le chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21, mais c'est Jérôme Lejeune qui publiera la découverte sous son propre nom, celui de la chercheuse n'apparaissant qu'en second. Rosalind Franklin découvre la structure en double hélice de l'ADN, le prix Nobel de médecine est pourtant attribué en 1962 à trois hommes. Et Alice Ball, qui découvre le traitement contre la lèpre, mais meurt avant d'avoir pu publier ses résultats, et le directeur de son université les publie après sa mort en s'attribuant la découverte. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir dénommer les voies qui viennent d'être mentionnées, à savoir le chemin Jeanne de Vos, le chemin Madeleine Béat, l'allée Mathilda et l'allée Maya. Merci. Ces courts récits pourraient tendre les relations entre les femmes et les hommes, puisque on voit que l'histoire n'a pas été toujours très agréable pour les femmes évidemment, mais bon voilà. En tout cas, au sein de la majorité et au sein de l'ensemble du conseil municipal, je pense, il y a une volonté d'avancer collectivement en ce sens. Madame Ducourant. Merci Monsieur le Maire, merci Madame Duré, et puis aussi je voulais remercier tous ceux qui ont participé au choix de ces noms. On avait une longue liste. On est vraiment heureux en fait dans le groupe d'avoir eu l'occasion de se prononcer sur ces femmes-là, même si toutes celles que vous aviez proposées auraient pu donner lieu à un nom de rue, d'avenue, une grande rue, et j'espère que ce sera le cas la prochaine fois et probablement. Donc vraiment très très, très belle nouvelle. Je suis très heureuse aussi pour toutes les petites filles, les jeunes filles qui enfin vont pouvoir se reconnaître dans les noms de rue et voir que, pour les femmes aussi, il y a une place dans notre urbanisme, dans notre ville. Voilà, donc on a vraiment apprécié cette démarche de mettre à l'honneur les femmes qui ont été trop longtemps invisibilisées et le travail qui est fait pour petit à petit leur rendre la place. Je voulais poser deux petites questions. Alors d'abord, j'ai bien compris que les habitants n'avaient pas pu être consultés pour des raisons de délai, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Est-ce qu'on pourrait peut-être anticiper pour de futures réaffectations de noms, ou peut-être y a-t-il d'autres projets pour l'année prochaine ou plus tard, et ce serait vraiment très apprécié, je pense, par les habitants de pouvoir eux aussi participer au choix. Et je pense également, maintenant que le choix a été fixé, et ces excellents choix ont été fixés, ce serait une très très belle occasion de mettre à l'honneur ces femmes-là, mais aussi les autres femmes qui sont toujours invisibles, et puis pourquoi pas les femmes du quartier
je pense qu'il y a vraiment un événement à faire. Et donc, voilà les deux petites questions que je souhaitais poser. Et encore merci pour cette démarche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des habitants qui ont été consultés. Les riverains de l'allée Mathilda ont pu faire remonter leurs propositions, parmi lesquelles d'ailleurs il y avait Jeanne DeVos. Donc, c'est pas ça qui a été choisi, mais ils ont été consultés à cette occasion. Donc, c'est déjà quelque chose qui est fait. Donc, après, pourquoi pas généraliser cette consultation. Après, voilà, il faut voir si techniquement c'est possible, qui vote, les riverains, tous les habitants, comment s'assurer que ce soit des Bayeulois qui votent. Donc, voilà, ça c'est à réfléchir, à discuter. Quant à mettre à l'honneur, en effet, les femmes du quartier, c'est envisageable. Après, là, les rues qui ont été dénommées, pour l'instant, bon, il n'y a pas d'habitants dans la nouvelle rue et la Zac des Collines. Vers la Börsostrat, il n'y a que quelques maisons. Et pareil, au Ravensberg, il n'y a que deux maisons. Donc, voilà, ça, pourquoi pas l'envisager pour plus tard, effectivement. Merci, Madame Duret. Donc, je retiens qu'en une séance, nous doublons, nous faisons même plus que doubler le nombre de noms de femmes sur l'espace public. Donc, bravo, je crois que le moment est historique. Allez, je mets aux voix la délibération qui vote. Alors, les délibérations, pardon. Donc, vous m'autoriserez à les voter de façon groupée. Je pense qu'on peut avancer en ce sens. Donc, la 48, la 49, la 50 et la 51. Qui vote pour ? Elles sont donc toutes évidemment adoptées à l'unanimité. Merci. Je passe la parole à M. Devillet pour la délibération 52. Merci, M. le maire. Donc la délibération concerne la transition énergétique, plus particulièrement l'énergie solaire et la candidature au programme ACTE, donc qui est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Du syndicat intercommunal des énergies des communes de Flandre, donc le SIECF. C'est un appel à projet que vient de lancer le SIECF qui vise à promouvoir la production d'électricité verte au moyen des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Donc cet appel à candidature est basé sur la préfaisabilité de ces installations. Alors j'insiste sur la préfaisabilité parce qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires partout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs critères techniques. Il y a la portance avec les charpentes, il y a la notion de cache. Donc est-ce que les panneaux seront efficaces parce qu'il y aura peut-être des caches dues aux arbres, aux bâtiments. L'orientation, le temps d'exposition, le coût de l'installation, les économies réalisées et le temps de retour sur investissement. Néanmoins, nous tenions à participer à cet appel à projet et nous allons y mettre des bâtiments qui seront étudiés et analysés. Donc les bâtiments suivants sont nos salles de sport, donc la salle du Mez, Perrier-Lesage, le Boulodrome, nos salles des fêtes, l'espace partage donc Joséphine Baker, l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers et le clubhouse du stade Michel Giloun. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. C'était, vous vous souvenez, un engagement que nous avions pris lors d'une séance du Conseil municipal du second semestre 2022, où nous évoquions, je crois, le projet de rénovation de toiture de l'école Tilde Coster, et nous avions dit que nous essaierions, autant que faire se peut, de généraliser les études pour voir la faisabilité de l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments municipaux. Donc avec cette candidature à l'appel à projet lancé par le SIECF, nous espérons avoir des éléments tangibles sur lesquels nous pourrons ensuite baser notre position. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix la délibération. Donc la 52 qui vote pour. Je vous remercie. Bien, nous avons épuisé donc les délibérations qui étaient mises au débat. Il m'appartient maintenant de procéder au vote groupé des délibérations qui ont été choisies à l'issue de la conférence d'organisation. Donc ces délibérations sont la délibération 38 qui consiste à approuver la charte du bon usage des moyens informatiques et de télécommunications que nous avons co-construit avec les agents municipaux et qui donc va être déployée dans l'ensemble de nos services. La délibération 40 consiste à autoriser
en l'occurrence votre serviteur, pour la constitution d'un groupement de commandes entre la ville et le CCAS dans la prévision du lancement du marché de restauration collective qui interviendra lors de l'année 2024 de mémoire. Ensuite, la délibération 41 concerne l'attribution d'un marché d'entretien des parcs, jardins et espaces verts. La commission d'appel d'offres s'est réunie ce lundi et a donc procédé à l'attribution des 6 lots. Et donc j'indique les entreprises, puisque sauf erreur de ma part, dans la délibération qui vous a été transmise lors de la convocation à la séance du conseil municipal, vous n'aviez pas mention de ces entreprises, puisque la CAO s'est tenue après l'envoi de la convocation. Donc pour le lot numéro 1, celui du centre-ville, c'est la société Safa. Pour le lot numéro 2, qui concerne les hameaux, c'est la société Orme Activité. Le lot numéro 3, pour les espaces verts extérieurs au centre-ville, c'est la SCOP Armentières Paysages et Avenir. Pour le lot numéro 4, celui de l'entretien des espaces verts de la ZAC des Collines, nous travaillerons avec l'AFEJ Entreprise Adaptée Lice Service. Le lot numéro 5, qui concerne l'entretien du cimetière, nous travaillerons avec l'ESAT des ateliers du Pont des Meuniers. Et puis, le lotissement Belkind concerne le lot numéro 6 du marché qui a été attribué à l'entreprise Safa. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la délibération 45, donc qui annule et remplace la délibération 05 du 23 mars dernier, qui précisait donc le nombre d'animateurs et de directeurs à recruter pour les accueils collectifs de mineurs cet été. Il manquait dans cette délibération le nombre d'animateurs par grade, et c'est la raison pour laquelle nous la représentons aujourd'hui, pour être totalement complet vis-à-vis du contrôle de l'égalité. Et puis la délibération 53, qui consiste à attribuer 3 subventions de fonctionnement aux associations Muay Thai Evolution, Bayeul Vélo Club et le comité du personnel communal. Voilà, donc je mets aux voix ces 5 délibérations de façon groupée, 38, 40, 41, 45 et 53. Qui vote pour ? Elles sont donc attribuées, donc je suis heureux de vous annoncer que nous avons adopté l'ensemble des délibérations à l'unanimité ce soir. Donc merci encore pour votre confiance collective par rapport à la politique que nous menons. Il y avait une question, je pense, Madame Crépel, sur l'une des décisions, donc dans la délibération 54. Alors, cette décision concerne la subvention qui est versée au CCAS pour 1 025 000 euros. Alors, le montant, je connais bien, parce qu'effectivement, j'étais présente lors de la délibération et j'ai voté pour le budget. Mais en revanche, je trouve vraiment, et je l'ai déjà dit précédemment, lors d'un précédent conseil municipal, je pense que ça a besoin d'une audience municipale au sein du conseil. Parce que même s'il n'y a pas de vote à effectuer sur le budget, parce que ça a déjà été fait, je pense que ça pourrait intervenir en annonce au début d'une séance pour dire un petit peu quels sont les projets, et notamment pour la résidence autonomie Pharaon de Winter. D'accord, donc quelle est votre question ? Alors, ma question, est-ce que vous pouvez pas nous parler justement des projets qui concernent la résidence autonomie Pharaon de Winter, qui aujourd'hui... Vous pouvez évoquer aussi la problématique que l'on rencontre, parce que c'est un fait. Bien sûr, mais alors si ça c'est votre question, là nous sommes sur une subvention d'équilibre sur les budgets de fonctionnement. Oui. Et le projet lié à la résidence autonomie concerne de l'investissement. Donc ça n'a pas de lien avec cette décision municipale, puisque les subventions d'équilibre viennent abonder les budgets annexes de façon à les équilibrer, puisque c'est évidemment le cadre légal qu'il est convenu de tenir dans le cadre des élaborations budgétaires. Après, sur le projet de résidence autonomie, nous l'avons évoqué lors du conseil d'administration du CCAS du 14 avril dernier, et je l'ai déjà évoqué depuis le début du mandat. Nous avons renoué le dialogue avec le bailleur Habitat Hauts-de-France, de façon à pouvoir rétablir les liens qui avaient été rompus lors du précédent mandat. Et le souhait, c'est de pouvoir porter un projet important de rénovation de la résidence autonomie. Sauf que ce projet-là se fait
avec une réflexion de notre part, non seulement sur la qualité du projet qui sera retenu, aussi sur le souhait, puisque c'est l'un des engagements de campagne que nous avons pu prendre, eh bien de porter en parallèle une structure d'accueil pour la petite enfance, et donc c'est un élément majeur de ce projet, et aussi, et c'est une base de décision qui est importante, la soutenabilité financière du projet qui sera retenu. Parce qu'il ne s'agirait pas aujourd'hui de s'engager sans une réflexion en amont sur la capacité que la ville pourra avoir à supporter les redevances mensuelles qui seraient mises en place par le bailleur par rapport à un projet d'investissement qui serait d'un montant trop important et qui ensuite viendrait obérer la capacité de la ville de pouvoir assurer le fonctionnement de la résidence. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en discussion avec le bailleur, évidemment, pour trouver un projet qui soit tenable financièrement et aussi d'un point de vue très pragmatique pour les résidents. Nous n'excluons pas non plus de porter d'autres réflexions sur des résidences autonomies qui pourraient apparaître à d'autres endroits de la ville. En tout cas, c'est un sujet, vous le savez, puisque avec Pierre Grandgenève, en sa qualité de vice-président du CCAS, et moi, nous avons évoqué en toute transparence lors de différents conseils d'administration du CCAS, et d'ailleurs également lors du conseil du 14 avril dernier. Nous sommes très vigilants et nous porterons le projet qui nous semblera le plus pérenne d'un point de vue optimisation du quotidien des résidents, mais aussi d'un point de vue financier pour la ville. Voilà. Mais je voulais vraiment que ça apparaisse au niveau d'un débat conseil municipal, parce que c'est une somme trop importante pour que ce ne soit qu'une décision. Bien sûr, mais alors, vous savez que le CCAS est une entité juridique à part, donc elle fonctionne d'elle-même puisqu'elle a un conseil d'administration qui est habilité à prendre les décisions et que le budget de la résidence autonomie, c'est un budget annexe du budget du CCAS. Voilà. Donc, bon, c'est un cadre très particulier, mais j'ai envie de dire, aucune difficulté pour évoquer ces projets-là parce que, encore une fois, nous savons ce que nous portons, nous savons aussi les objectifs que nous voulons atteindre et vous le savez, l'ambition, c'est de pouvoir eh bien, développer cette résidence autonomie pour optimiser la qualité de vie de nos résidents. Voilà. Dans le cadre de l'évolution de la CCFI vers une communauté d'agglomération, je sais, la ville d'Hazebrouck s'est séparée de son CCAS, arrête le CCAS. Est-ce que la ville de Bailleul envisage quelque chose de ce type ou alors que ce soit porté par la communauté d'agglomération? C'est une question. Eh bien, je vais vous apporter une réponse. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, la ville d'Hazebrouck ne s'est pas séparée de son CCAS. La ville d'Hazebrouck a décidé de mettre fin à son service d'aide à domicile, ce qui n'est pas évidemment la même chose. Et je pense que la ville d'Hazebrouck a à cœur, mais je ne parle pas à la place du maire d'Hazebrouck, de conserver son CCAS. Aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion portée par la création, autour de la création d'un centre intercommunal d'action sociale, parce que, et c'est mon cas, je souhaite absolument conserver la compétence de l'action sociale, de la solidarité au quotidien, et je pense que c'est essentiel que ce niveau d'intervention reste au niveau communal, parce qu'encore une fois, c'est nous qui agissons dans le quotidien des personnes en difficulté et qui sommes à même de comprendre avec beaucoup de précision leurs difficultés et de leur apporter les réponses les plus adaptées. Donc, moi, je tiens à ce que le CCAS garde l'acronyme avec le C en deuxième lettre qui concerne l'action communale. Voilà. Bien, voilà, mesdames et messieurs, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie encore pour votre disponibilité. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent et nous nous retrouvons au mois de septembre 2023.